Bonjour à tous, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on a fait un effort. Charles est habillé avec un Père Noël. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est très, très stylé. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de noter qu'on a mis de la neige sur la hotte. Voilà, hotte. C'est tout. Noël. Aujourd'hui, on va vous proposer une bûche de Noël, mais pas n'importe quelle bûche. C'est vraiment la bûche qui nous donne envie depuis très, très longtemps. Et aujourd'hui, on a assoupi ce désir de faire cette bûche. Alors, s'il y en a qu'une qu'il faut que vous regardiez cette année, c'est vraiment celle-là, parce que tout simplement, c'est une bûche au chocolat, donc la bûche que tout le monde va aimer, et surtout, c'est la bûche au chocolat de Cyril Lignac et de Benoît Couvrant, bien évidemment. Et ça a l'air d'être absolument une grosse tuerie. On l'a trouvée dans le magazine Fou de pâtisserie. Il y a énormément de recettes dans ces magazines, ils sont juste top. Bûche tout chocolat avec un croustillant au chocolat, un biscuit chocolat, une ganache montée chocolat et pour finir un crémeux au chocolat. Avec un spray velours mais qu'on va faire nous-mêmes au pistolet, évidemment si vous n'avez pas de pistolet à la maison vous le ferez avec une bombe, peu importe. En tout cas elle a une finition très sobre, très classe à la Cyril Lignac de toute façon. On a hâte de vous montrer ça, on commence dès maintenant avec la ganache montée. C'est parti. Vous commencez par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes. Dans une casserole, vous mettez la crème avec le glucose que vous portez à frémissement. Une fois que vous l'avez atteint, vous versez cette crème en deux fois sur le chocolat noir préalablement fondu. Et vous réalisez une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous ajoutez ensuite la gélatine hydratée et essorée. Et on termine avec la crème liquide froide. C'est cette crème qui va permettre à la ganache de monter. On recouvre ensuite d'un film alimentaire au contact et on place la ganache pendant 4 heures au réfrigérateur. On enchaîne tout de suite avec le crémeux qui a besoin aussi d'un petit peu de repos avant d'être couché à l'intérieur de notre moule à bûche. Dans un cul de poule, vous versez les jaunes d'œufs et le sucre semoule. Vous allez fouetter vivement pendant une vingtaine de secondes pour éviter que le sucre ne brûle les jaunes et crée des grumeaux. Une fois que c'est bien mélangé, vous réservez et dans une casserole, vous versez le lait et la crème liquide. Vous portez à léger frémissement avant d'en verser la moitié sur votre premier mélange. Vous homogénéisez rapidement et vous remettez le tout dans la casserole à cuire sur un feu lent. Le but est de créer une crème anglaise qu'on va cuire à 83-84 degrés ou autrement qu'on peut cuire à la nappe. Regardez bien, quand on fait une trace avec notre doigt, la crème doit rester figée et ne pas couler. Ça veut dire qu'elle est bien cuite. On verse ensuite en deux ou trois fois cette crème anglaise sur le chocolat préalablement fondu. On émulsionne à la Maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Si vous le souhaitez, vous pouvez la lisser encore plus en terminant au mixeur plongeant. Ici, ce n'était pas nécessaire. Elle est belle, elle est bien brillante. On peut la filmer au contact et la réserver 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va lancer tout ce qui tourne autour du croustillant parce que vous allez voir c'est un croustillant un petit peu particulier. On va d'abord faire une pâte sucrée, une espèce entre le sablé et la pâte sucrée, la mixer, enfin bref, on vous montre ça tout de suite. On commence par réaliser un sablé en crémant le beurre dans notre robot muni de la feuille. On ajoute ensuite les zestes d'orange, le sucre semoule, la poudre de noisette, le cacao en poudre, la farine, et une pointe de fleurs de sel. On mélange très légèrement. Et on termine à la main pour homogénéiser le tout. On vient ensuite l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. Et on la met en cuisson pendant 20 minutes à 160 degrés. Ensuite, on enlève directement de la plaque pour que le sablé ne cuise pas plus. Et on vient l'émietter dans un cul de poule lorsqu'il est bien froid. On ajoute ensuite le gianduja fondu. Et on étale cette préparation entre deux feuilles de papier sulfurisé sur 3 mm d'épaisseur, pour que ça corresponde à la taille et à la forme de notre patron qui fera le socle de notre moule à bûche.
et on détaille notre croustillant avec notre patron. On place le tout une heure au congélateur. On va terminer par le biscuit au chocolat et après on va pouvoir monter notre bûche. Attention. Dans un cul de poule, vous versez encore une fois les jaunes d'œufs avec la moitié du sucre cette fois-ci et vous mélangez vivement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Une fois que c'est fait, vous ajoutez le cacao en poudre bien tamisé et vous mélangez au fouet pour que ce soit bien homogène. Vous obtenez une pâte. À côté de ça, dans un autre cul de poule, vous versez un premier tiers du sucre dans les blancs que vous commencez à monter. Et vous allez ajouter le restant du sucre petit à petit au fur et à mesure que vos blancs montent, jusqu'à obtenir une meringue montée mais souple, pas trop serrée. Regardez bien la texture qu'elle doit avoir. Vous en ajoutez un premier tiers dans votre premier mélange. Vous homogénisez au fouet pour adapter un petit peu la texture de cette pâte qui était un peu trop dense. Et vous ajoutez le reste, petit à petit ou en une fois, comme vous le souhaitez, de blancs montés. Et vous les incorporez cette fois-ci à la maryse pour ne pas les faire retomber. Et voilà, votre biscuit est prêt. On peut le couler sur une plaque à génoise préalablement graissée, sur environ 1 cm d'épaisseur, et le cuire 8 minutes à 210 degrés. Vous sortez immédiatement de la plaque et votre biscuit est cuit. Pour le montage, on vient ensuite monter la ganache montée dans le bol de notre robot muni du fouet. On y va progressivement jusqu'à obtenir une texture de ruban. Attention, pas de bec d'oiseau. On vient ensuite pocher de la ganache dans le fond et les côtés de notre moule à bûche. Les références du moule seront dans la description. Et avec une palette, on vient lisser le tout sur les côtés. On met le tout au congélateur. Pendant ce temps, on va démouler notre croustillon. On démoule notre biscuit en le retournant sur une planche à découper par exemple, et on va détailler un biscuit avec le même patron que pour le croustillant. On retire l'excédent de biscuit. Et on le réserve. On va ajouter du crémeux cette fois-ci en insert de la bûche. On en ajoute une belle couche avant de remettre sur les côtés un petit peu de ganache montée. On dépose notre biscuit bien moelleux qui fait la bonne taille. Et on termine avec de la ganache montée quasiment jusqu'à hauteur. Une fois que c'est fait, on termine en déposant le croustillant, on lisse un petit peu si besoin et on réserve au congélateur jusqu'au complet durcissement. Voilà, il ne nous reste plus qu'à terminer cette bûche, elle est déjà très jolie, mais vous allez voir ce petit effet velours, ce glaçage velours, ça va être magnifique, il va être au chocolat, on lance maintenant. Le lendemain, on peut récupérer notre bûche, la démouler et on la replace au congélateur. Sur un bain-marie, on vient faire fondre le beurre de cacao avec le chocolat noir. Une fois que 80% des pistoles sont fondues, on sort notre récipient du bain-marie. Et ça va fondre tranquillement. On ajoute ensuite une pointe de colorant rouge liposoluble. On mixe le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Et on place la préparation dans notre récipient de pistolet à peinture en le passant à travers un tamis. On vient ensuite pulvériser à 30 cm de notre bûche bien glacée, une fois que le glaçage a atteint 45 degrés. Et voilà, c'est prêt! Alors, est-ce que la magie de Noël va opérer? C'est une tuerie. Ah, c'est une bombe. C'est rond, c'est gourmand. Il y a du croquant et il y a du zeste d'orange dans le croustillant. Ça, c'est énorme. Et ça, je trouve que ça rapporte un côté encore plus chaleureux, encore plus Noël. Plus Noël, exactement. Donc moi, j'adore. C'est 100 sur 100. Alors, je m'attendais pas à celui-là. Non, franchement, c'est génial, super bon. Et visuellement, cet effet velours, moi, je sais pas toi, ouais, mais je suis ultra fan. D'ailleurs, pour ceux qui veulent maîtriser, parce qu'évidemment, sur YouTube, on vous raconte rapidement, entre guillemets, comment faire un glaçage velours. Mais si vous voulez tout comprendre de ce glaçage-là, des autres glaçages en général, mettez dans votre agenda la date du 14 décembre. Sortiront nos nouveaux ateliers virtuels sur les glaçages. Il y aura 6 ou 7 types de glaçages différents. Enfin bref, de quoi vraiment s'éclater. Donc, retenez bien ça. Adoré. Et cette bûche, alors? Cette bûche, elle est monstrueuse. Franchement, elle est super bonne. Refaites-la à la maison. Vous allez N'hésitez pas. Adorer.
Celle-là, sur la table de Noël, elle va faire très mal. Non, elle va faire beaucoup de bien, au contraire. Les gens vont adorer, donc on vous la conseille à 1000%. Si vous la refaites pour Noël, n'hésitez pas à prendre des belles photos, à nous taguer, Charlie Ava. On sera content de voir tous ces beaux moments de partage, de famille que vous allez pouvoir vivre à travers cette bûche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on a adoré vous la faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bien sûr en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes qui vont arriver. D'ailleurs, il nous reste 2 recettes de bûche et à faire cette année. Pas n'importe donc quel. Là, vous allez avoir le choix pour faire celle que vous préférez pour Noël. On vous embrasse, à très très vite. Ciao. Bye.